Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Suite de notre série de vidéos consacrée à l'année 2005 avec la 2 euros commémorative italienne qui célèbre le premier anniversaire de la Constitution européenne. C'est donc un événement très récent qui est commémoré par l'Italie en 2005 et qui aurait très bien pu donner lieu à une émission commune puisqu'il concerne tous les pays de l'Union européenne. En effet, c'est en 2004 que les chefs d'État des 25 pays de l'UE signent le traité établissant une Constitution pour l'Europe, ou TECE. L'objectif, fluidifier la collaboration entre tous les États membres et unifier les différents traités signés précédemment. Attention au mot « Constitution », l'idée n'était pas de créer un nouvel État qui regrouperait tous les membres de l'UE. Malheureusement pour lui, ce traité ne fait pas long feu, car plusieurs pays ne le ratifient pas, voire se prononcent contre lors de référendums. C'est le cas pour la France et les Pays-Bas. Le TECE ne verra donc pas le jour et c'est le traité de Lisbonne, en 2007, qui reprendra le flambeau. On peut ainsi dire que cette 2 euros commémore quelque chose qui n'existe pas. La gravure de la 2 euros Italie 2005 représente Europa accompagné d'un taureau. Il s'agit d'une référence à l'épisode mythologique grec dans lequel Zeus, le dieu des dieux, se métamorphose en taureau blanc pour approcher et séduire la belle princesse Europa. C'est elle qui donne son nom au continent, l'Europe. On retrouve d'ailleurs Europa sur la 2 euros nationale grecque et les billets de la seconde série. Ici, Europa tient une plume et le texte de la Constitution européenne. Entre elle et le taureau, on trouve le millésime de la pièce, 2005. À gauche, le R de l'atelier de frappe de Rome, où l'Italie produit toutes ses monnaies. Les initiales de République italienne R et I entremêlées figurent en bas du cœur. Enfin, on trouve à gauche, le long du cœur, les lettres MCC, initiales de Maria Carmela Colaneri, la graveur de la pièce qui a signé d'autres 2 euros commémoratives italiennes et vaticanes. Sur la couronne, on trouve les 12 étoiles du drapeau européen, ici regroupées sur la partie supérieure de la pièce afin de laisser place au texte Constitution européenne en italien. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranche est gravée, comme sur toutes les 2 euros italiennes, du chiffre 2, suivi de 1 étoile. Le tout répété 6 fois, alternativement en haut et en bas. Cette pièce a été tirée à 18 millions d'exemplaires et il est facile de se la procurer pour moins de 4 euros en version non circulée. Il n'existe d'ailleurs pas de version BU ou BE. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo consacrée à la 2 euros commémorative italienne 2005. Continuez de suivre la chaîne Super Euro en vous abonnant et laissez un petit pouce bleu pour me soutenir. Très bonne collection à tous !